Maxi. Écoute, chez Maxi, cette semaine, c'est là que le bœuf haché maigre était vraiment le pas cher, là. 2,88 la livre, ou si tu préfères 6,35 le kilo pour du bœuf haché maigre. La semaine passée, il l'avait à 2,99 là, qui était vraiment pas cher. Puis c'est rare qu'on l'a, parce que tu vois, c'est plus cher que ça, là. C'est dans 3,49. Mais à 3,88 pour du maigre, hey, c'est super. Puis c'est sûr que tu peux fâcher. Écoute, on en veut tout le temps parce qu'il y a tellement d'affaires qu'on peut faire avec ça. Autant des sauces que des boulettes, que des saucisses. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Donc, ça vaut vraiment la peine à ce prix-là. C'est chez Maxi. Aussi chez Maxi, ben écoute, hein, des fois on n'a vraiment pas le goût de me cuisiner. On veut juste assembler des choses, surtout dans la semaine. D'ailleurs, les idées que je te donne souvent, c'est de l'assemblage. C'est pas de la cuisine. On se fait pas à se faire des tartes, là, hein, où ça prend des heures de temps. Puis bon, c'est sûr, c'est toujours intéressant de cuisiner avec des personnes qu'on aime. Puis on en profite pour partager des choses, puis se parler, puis vivre un moment. Parce que cuisiner, c'est de vivre un moment aussi. Mais t'sais, dans la vie de tous les jours, ben, on n'a pas tout le temps le temps de faire ça. Hein? Ça, c'est le fun quand on se dit, OK, dimanche, on cuisine, on va avoir du fun. Mais dans la semaine, là, on veut juste se nourrir de façon à ce que ça ne nous coûte pas trop cher. Puis que surtout, que ça ne nous prenne pas toute la soirée. C'est ça. Fait qu'écoute, avec les côtes de dos déjà marinées, déjà toutes prêtes, hein? Soit tu as le loup, c'est la compagnie loup, tu as Sicard, il y en a plein de sortes. Mais là, cette semaine, à 5,94, ça là. Normalement, là, les enfants ils peuvent se partager un à deux ou trois quarts. En tout cas, je te dirais que si on est quatre personnes, trois belles côtes comme ça, là, c'est sûr qu'on mange tout le monde parfaitement avec des petites patates, mettons, là, cuites au four, là. Puis écoute, ça n'a rien coûté, je vous dis, ça n'a rien coûté de temps, puis ni d'effort, parce que là, c'est vraiment, on met ça au four. Puis c'est fini. Donc, ça peut être très intéressant, ça peut être un dépanneur, mais quand même. Toutes ces côtes-là levées qui sont déjà marinées, leur seul problème, le gros problème, hein, c'est le sel. C'est très salé, fait que c'est pour ça que. Mais on a le droit d'en manger du sel. Il faut juste que tu t'organises dans ta journée, que ce ne soit pas deux, trois repas là, super sodiumniques comme ça, parce que là, tu viens de péter ta balloune, ça c'est certain. Puis le sel, on parle beaucoup du sucre, on parle beaucoup du gras, mais on ne parle pas assez du sel. Puis ça, vraiment, le sel, là, les maladies cardiaques, les artères bloquées, c'est vraiment négatif, là. Fait que c'est pour ça qu'il faut essayer de contrôler. Puis c'est très difficile de contrôler le sel dans son alimentation. Hein, tu le sais. Donc, écoute, quand même, hein, tu en cas comme ça, une fois dans la semaine, là, ça peut faire la job des petites côtes levées déjà marinées. Donc, à 194, hein, c'est chez Maxi. Aussi chez Maxi, mais encore là, quelque chose qui est. Il y a du sodium pas mal dedans. C'est le jambonneau cook. Donc, lui, il est à 1,88 l'allée, ou si tu préfères, 4,14 le kilo. Ça, c'est le fun parce qu'encore là, c'est facile. Tu peux le trancher directement en tranche puis le mettre dans la poêle puis le faire venir dans la poêle. Mais moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans le jus de pomme. À moitié jus de pomme, à moitié eau. Puis je le laisse, tout dépend de la grosseur, là. 50 minutes, 1 heure là, dans l'eau à bouillir. À partir du moment qu'il commence à bouillir, parce que ça peut être long, là, avant que ça vienne chaud. Mais un coup, ça vient chaud, tu le mets après 50 minutes, 1 heure. Tu sors de là, tu coupes en tranches, avec une petite patate pilée, des petites carottes, là, ça te fait un souper super. Puis tu te fais une petite sauce là, aux pommes avec du cornstarch puis du sirop d'érable. Hey, là, ça te fait une petite sauce là, qui va vraiment très bien avec le jambon. Surtout que le côté sucré vient un peu camoufler ou masquer ou diminuer le côté là, salé du jambon. Donc, ça vient vraiment se marier très, très bien. Écoute, je te le conseille fortement. Donc, écoute, c'est ça qui est ça pour chez Maxi cette semaine.